Enfin. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les dettes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois-y là. Comment as-tu pu devenir dieu de la guerre ? Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. L'histoire du fantôme de Sparte. Alors tu sais ce dont je suis capable. Montre-moi. Enfin un peu d'action. Tu es censé être plus fort. J'espérais voir tes lames, mais elles ne répondent pas quand tu les appelles. Libère le Tu ne sers à rien. Tu bafoues la mémoire de mes fils. Je n'arrive pas à croire que tu les aies vaincus. Cesse de te retenir. Ça, c'est pour maintenir. Désolé pour ta statue. Rien de tel que d'attaquer son adversaire dans le dos, pas vrai? Tes fils ont porté le premier coup! Bien! Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un panthéon parce qu'on l'avait vexé? C'est tout. On commençait enfin à s'amuser. Mes fils n'ont pas pu perdre face à ça. Montre-moi ce que tu sais faire. Chance ? La mort de mes fils serait due à la chance ! Abruti ! Tu crois qu'il suffit de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ ? Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi ! Non. Je décide quand c'est fini. Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment. Debout! Mes
fils n'ont pas pu faire face à ça. Montre-moi ce que tu sais faire. Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un panthéon parce qu'on l'avait vexé. Bien essayé. C'est ça l'homme qui a vaincu Sigrun, reine des Valkyries. C'est ça le dieu étranger qui a vaincu Baldur. Ça semble familier. Quoi ? Peu importe. Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment il fait les enfants. Je veux voir le dieu de la guerre. Tu as commencé. Je vais y mettre un terme. Où est ton amour du combat ? Libère le dieu de la guerre. Laisse-moi le voir. Ça ne suffira pas. Le père de tout a des projets pour lui. Le voilà. Voilà le dieu de la guerre. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra.
t'avais dit qu'ils s'en sortiraient. Kratos, c'est Sindri et Brock. Tu parles d'un combat ?